6 mois à 5 ans de prison, le sort de Brenda Bia scellé. Eh bien chers spectateurs, nous espérons que vous allez très bien car, le Cameroun est en ébullition depuis que Brenda Bia, fille du président Paul Biya, a fait une déclaration publique sur ses réseaux sociaux. Ce geste courageux a révélé au grand jour son orientation sexuelle, embrassant ouvertement une jeune femme et proclamant son amour. Cette simple photo a déclenché une avalanche de réactions à travers le pays et au-delà de ses frontières. Restez simplement avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette affaire. De plus, nous parlerons également de l'arrestation qui a eu lieu à Garoua, où un événement tragique a secoué la ville, la résidence du maréchal Jean-Paul Macani a été le théâtre d'un cambriolage suivi d'un viol sur son épouse. Cet acte a provoqué une vive réaction au sein de la communauté locale, située dans la région du nord du Cameroun. Petite précision. Avant d'entrer à profondeur dans le vif du sujet, nous vous invitons à aimer la vidéo afin qu'elle soit vue par tout le monde, à vous abonner bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne, et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le territoire. Si cela est déjà fait, on peut continuer. Le 30 juin dernier, Brenda Bia a brisé le silence avec une publication sans précédent, dévoilant son amour pour une jeune femme et affichant ainsi son identité lesbienne. Pour la fille unique du président, qui est également connue sous le nom de King Nasty dans l'industrie du rap, cette révélation personnelle a marqué un tournant historique. En effet, au Cameroun, l'homosexualité est sévèrement criminalisée, passible de peines allant de 6 mois à 5 ans de prison, ainsi que d'amendes substantielles. Cette annonce a suscité des réactions contrastées au sein de la société camerounaise. D'un côté, certains ont salué son courage et son audace à briser les tabous et à affirmer son identité publiquement. D'un autre côté, l'homophobie a émergé violemment, illustrant les profondes divisions et les préjugés persistants au sein de la population. Les organisations locales de défense des droits, telles que Working for Orwellbin et Women in Front Cameroun, ont immédiatement réagi en exprimant leur soutien à Brenda Bia tout en mettant en lumière les risques auxquels elle est exposée. Elles ont souligné l'importance de garantir sa sécurité face à toute forme de violence potentielle. Nkwa Hamlet, directeur exécutif de Working for Orwellbin, a souligné que malgré cette victoire pour la liberté individuelle, de nombreux membres de la communauté LGBTQ+, au Cameroun continuent de faire face à la discrimination et à la persécution quotidienne. Ce débat dépasse largement les frontières nationales. Il met en lumière les disparités législatives à travers le continent africain, héritage des périodes coloniales. Alors que certains pays ont progressivement dépénalisé l'homosexualité, d'autres maintiennent des lois strictes qui condamnent sévèrement les relations entre personnes de même sexe. Que pensez-vous de la bravoure de Brenda Bia? Comment voyez-vous l'évolution des droits des LGBTQ+, dans votre propre pays? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Pareillement à cela, comme on l'annonçait au début, à Garoua, dans la soirée du mercredi 3 juillet 2024, le quartier de Poum Poum a été le lieu d'une violente intrusion. Trois individus, présumés braqueurs, ont pénétré par effraction dans la demeure du maréchal, emportant avec eux des biens précieux. Malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont également agressé sexuellement son épouse, ajoutant un acte abominable à leur liste de méfaits. L'alerte a été donnée par les résidents choqués, permettant une réponse rapide des forces de sécurité locales, notamment de la gendarmerie de Poum Poum. Grâce à leur intervention diligente, les malfaiteurs ont été appréhendés peu de temps après leur forfait. Actuellement en détention, ils attendent d'être traduits en justice pour répondre de leurs actes répréhensibles. L'événement a déclenché une onde de choc à Garoua, mettant en lumière la vulnérabilité face à la criminalité et suscitant des inquiétudes concernant la sécurité des habitants. La communauté locale exprime une solidarité renforcée envers le maréchal et sa famille, tout en exigeant que la justice soit rigoureusement appliquée dans cette affaire. En conclusion, cet incident dramatique à Garoua souligne l'importance cruciale de la sécurité publique et de la protection des citoyens contre la criminalité violente. C'est également un rappel poignant des défis persistants auxquels sont confrontées les autorités pour maintenir l'ordre et la sécurité dans les communautés locales. Quelle est votre réaction face à cet acte criminel à Garoua? Comment pensez-vous que de telles situations pourraient être prévenues à l'avenir? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités sur Flash Info. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.